mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous montrer toute mon organisation de ma coiffeuse, mon rangement make-up. Donc tout ce qui est sur ma coiffeuse, je vais tout vous montrer et j'espère que cette vidéo va vous plaire en tout cas. Petite parenthèse avant de commencer la vidéo, je vous laisse juste mes réseaux sociaux ici. Donc mon Instagram pour suivre ma petite vie, toutes mes photos de tenue, tout ça. Je vous mets également mon TikTok pour suivre toutes mes vidéos. J'essaye de vous poster plusieurs vidéos par jour. Donc voilà, vous pouvez suivre ma petite vie tous les jours. Je vous mets également mon Snapchat. Donc voilà. Là du coup, je vous ai avancé vers moi. Donc je vais vous montrer tout ce qui est sur ma coiffeuse. Je vais prendre le téléphone après pour bien vous montrer détail par détail, mais là c'est pour vous montrer. Donc ici j'ai un petit support avec tous mes produits de beauté un peu rose, violet pastel, tout ça, mes beaux produits. Après ici j'ai toutes mes brumes Victoria's Secret que je mets ici, et après j'ai mis mon petit agenda pour apporter un peu de décoration, tout ça, mais je vais prendre le téléphone et vous montrer plus en détail. Donc là les filles, sur ma coiffeuse on a toutes mes brumes Victoria's Secret, vraiment je mets toutes mes belles brumes. Donc là tout devant c'est celles qui sont en rose violet, tout ça. Après j'avais les petites, il y en a deux qui sont vides maintenant, et à l'arrière toutes celles qui sont un peu orangées, enfin celles que je mets le moins on va dire. Ensuite après j'ai un petit cadre que j'ai fait à la main. Donc celui-ci j'ai pris une toile chez Action et après j'ai mis des coups de plâtre. Mon petit Sunny Angel, il est trop mignon. Donc après j'ai une petite décoration, donc c'est un senteur pour ma chambre qui vient de chez Zara Home. À mon Instax mini rose comme ça sur ma coiffeuse. J'ai mis mon petit agenda Louis Vuitton en décoration avec ma bougie Dior derrière. Là on passe aux produits de beauté. Donc déjà le support les filles en plexi, il vient de chez Amazon. Donc c'est un support à 3 étages. Et ensuite dessus je mets tous mes produits. Donc là par exemple on a tout ce qui est spray fixateur. On a mes petites crèmes. Tout ce qui est rose vraiment. Donc tout plein de produits skincare. Et j'aime trop le rendu les filles. Et à l'arrière en fait j'ai mis mes parfums. Donc je sais pas si vous voyez. Mais j'ai mis mon Yves Saint Laurent, mon Prada devant, c'est ce que je mets le plus. Et après, on a deux Victoria's Secret à l'arrière, donc voilà. Et ici, on a mes petits produits pour les cheveux que je mets tous les jours. Donc mon parfum Jisoo pour les cheveux. Ensuite, à l'arrière, on a mes petites gummies, tout ça. Du coup, le rendu de ma coiffeuse, c'est comme ça. Il y en a tous mes produits dessus. Ensuite, les filles, donc déjà ma coiffeuse, elle vient de chez Ikea. C'est celle, c'est la basique, je vous mettrai une petite photo pour vous montrer c'est laquelle. Franchement, je vous la conseille pas de ouf parce que... Enfin, c'est un classique, hein. Il y a beaucoup de gens qui l'ont, mais je trouve qu'elle n'est pas du tout pratique. Le tiroir ne s'ouvre pas du tout jusqu'au bout. C'est compliqué d'aller chercher tout ce qui est au fond, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai mis plein de petits rangements en plexi pour différencier mes produits. Donc là, par exemple, on a tout ce qui est mon maquillage, donc fond de teint, blush, highlighter, poudre, bronzer, anti-cerne, tout ça. Donc ensuite, ici, c'est tous mes produits skincare à côté de ceux-là. Mais là, c'est tout ce qui est produit Bioma, mes crèmes pour le visage, mes sérums, mes crèmes hydratantes. Là, pareil. Donc, en fait, c'est vraiment tous mes produits skincare. Donc, j'ai mis tous mes produits The Ordinary. Produit Charlotte Tilbury, mon sérum pour les cils. Là, je mets tout ce qui est crème. Là, c'est sérum. Là, c'est vraiment tous mes produits skincare. J'arrive même pas à vous montrer tout ce qui est à l'intérieur, au fond. Ensuite, là, on a tout ce qui est chouchou. Donc, mes petits chouchou chain, mes pinces à cheveux. Donc voilà. Donc là on a mes produits soldes de Janeiro, mes petits produits de Typologie. Donc là on a plein de blushs et bronzers Shiglam. Toutes mes pinces. Mais comme je vous dis, vraiment mon rangement make-up c'est pas quelque chose de ouf parce qu'en fait j'ai vraiment pas de place. Donc c'est pour ça que je mets beaucoup de produits en avant sur ma coiffeuse parce que j'ai vraiment pas de place. Donc là j'ai toutes mes pinces qui viennent de chez Shane. J'ai également ma trousse à pinceaux qui est dans mon meuble de salle de bain. Mais j'ai mon Beauty Blender, celui-ci, j'ai trop hâte de le tester. Je l'ai acheté chez Action. Donc voilà. Donc là, j'ai toutes mes pinces. Après, j'ai mes produits pour nettoyer les pinceaux. Mes petites pinces roses de chez Shane. J'ai mon petit mini lisseur GHD rose. Qui est au fond, mais qu'on ne voit pas bien. Et j'ai tous mes produits Luxéol. Mes crèmes Zara Home. Mais vraiment, tous mes produits Luxéol, ils sont là. C'est vraiment une de mes meilleures marques. Ça fait 3 ans et demi que je l'utilise. Même avant d'être en collaboration avec eux. Donc là, j'ai eu la chance de pouvoir recevoir des produits de leur part. Mais sinon, ça fait quand même 3 ans et demi que je l'utilise. J'ai tous leurs shampoings. Ça, c'est un sérum pour la pousse. Il est incroyable. Regardez, je prends les gummies tous les jours. Donc là, j'ai presque fini ma cure de 30 jours. Je vais devoir en racheter pour faire la prochaine. Et vraiment, c'est les meilleurs gummies pour la pousse des cheveux. Ça m'a sauvé. Pour vous dire, tellement que j'ai pas de place, je suis même obligée de mettre mes produits Musc Intime dans sa pochette dessous. Parce que j'ai pas de place du tout, les filles. Vraiment, c'est chiant.
Donc j'aimerais vraiment investir dans une coiffeuse avec plein de rangements ou m'acheter un meuble à tiroir avec pour ranger tout mon make-up. Parce que c'est vrai que là, j'ai pas de place. Bon, après, ça va, tout est rangé quand même correctement, tout est propre, mais c'est quand même galère à prendre les choses. Et j'aimerais vraiment mettre plein de choses dans un tiroir spécial, d'autres dans un autre, enfin vraiment m'organiser différemment. Après là j'ai des extensions de cheveux, enfin si je veux faire des boucles et tout, vraiment juste des extensions qui se clipsent comme ça. J'ai des crèmes à derrière, j'ai des bandeaux, des petites brumes. Vraiment tout est un peu camouflé vu que j'ai pas de place. Mais voilà, donc là je mets mes produits Sol de Janeiro et là surtout mes produits skincare. Mais vraiment ce support pour mettre tous mes produits skincare, je l'adore. Et j'ai vraiment mis tous mes produits faves. D'ailleurs, dites-moi les filles si vous voulez une vidéo où je vous parle des produits skincare, des produits viraux de TikTok, s'ils sont bien, si je les conseille, si je les rachèterais, oui ou non. J'avais comme idée de vous faire cette vidéo. Mais voilà, donc là par exemple, j'ai tout ce qui est Glorycipi, Fenty Skin, Kylie Skin, La Neige, Shiglam. Et enfin voilà, j'aime trop mes petits produits. Et Rare Beauty aussi. Cette brume, elle est incroyable pour le visage. C'est très court et très simple, c'était une petite vidéo de quelques minutes, mais pour vous montrer tout mon rangement make-up. Mais du coup, voilà les filles, c'était vraiment une vidéo assez courte. De toute façon, je ne pouvais pas vous montrer des choses en plus parce que mes produits beauté, ils sont vraiment qu'ici. Après, dans mon meuble de salle de bain, j'ai ma trousse à pinceaux, j'ai mes produits pour le visage, mes nettoyants visage, tout ça. Et mon lisseur, mon sèche-cheveux, enfin tous mes produits aussi sont dans mon meuble de salle de bain, c'est pour ça. Mais dans ma petite coiffeuse, j'ai vraiment mon maquillage, mes produits skincare, tout ça, que je mets en avant. Et voilà, mais bon, j'ai pas de place. Donc vraiment, j'aimerais beaucoup investir dans une coiffeuse. Vous savez, celle en verre un peu. Et vous voyez tous les produits de beauté, tout ça. J'aimerais beaucoup m'acheter celle-ci. Je sais pas, faut que je voie. Ou alors un meuble avec des tiroirs. Faut vraiment que je voie ce que je fais et ce que j'achète. Mais je vous en dirai plus si je l'achète. Je vous ferai une vidéo, tout ça. C'était vraiment pour vous montrer mon rangement make-up, comment je le fais, comment je m'organise moi. Donc j'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai passé un bon petit moment à vous tourner cette vidéo. C'était très court, mais je ne peux pas vous montrer d'autres choses en plus. Donc voilà les filles, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez le genre de vidéo que je vous ai proposé, par exemple vous montrer mes produits skincare, mes produits phares, si je les conseille, si je les achète, enfin si je les rachèterai ou pas. N'hésitez pas à me donner vos suggestions de vidéos en commentaire, c'est toujours bon à prendre. Je note tout vraiment. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir et c'est plus simple pour suivre mes vidéos. Et à activer la petite cloche que je vous mets juste ici parce que par contre vous serez averti à chaque fois que je poste une vidéo, donc c'est cool quand même. Donc voilà, en tout cas je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.